Fremsem, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, qui c'est dimanche 28 janvier, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Juste avant de commencer, nous invitons pour baisser tout, pour nous capables prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons. Nous te merci pour grâce, nous te merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour nouvelle journée ça qu'a accordé nous alors que nous allons étudier parole. N'a demandé pour capable imprégner nous de cet esprit qu'on ça n'a va comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin avec nous diriger nous. Nous pas bon pas dit merci de prier au Seigneur notre petit Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore frère Maxime. Nous a étudié 5e leçon qui vient pour titre Chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Chanter cantique l'Éternel sur une terre étrangère. Verset à mémoriser, je lis dans Psaume 137 le verset 4. Eh bien, il dit, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Eh bien, pour journée jeudi dimanche 28 janvier, titre son c'est Au jour du malheur, dans le jour malheur. Et demandez-nous pour nous lire et le Psaume 74, les versets 18 à 22, le Psaume 79, les versets 5 à 13. Ensuite, je pose une question pour nous, dit qui en jeu qui gagne dans le passage Sayo. Nous lisons dans Psaume 74, verset 18 à 22, qui ça dit, il dit, souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Verset 20. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Verset 21. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbre ton nom. Verset 22. Lève-toi, ô Éternel, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Eh bien, nous voyons que Salmiste l'a cherché pour comprendre un grand conflit qui est entre Dieu et les puissances du mal. Ok? Il souligne la patience insondable de Dieu. Parce que souvent, nous voyons que bagaille a mal passé. Nous voyons que nous pouvons comprendre ce qu'a fait notre famille. Et ces deux qui passaient sont à fond direct liés à l'Éternel. Mais nous voyons que bon Dieu était patient. Ça veut dire que nous sentions silence. Eh bien, c'est ça qui est la patience insondable de Dieu. Dis-nous, c'est la patience insondable de Dieu que nous voyons dans le texte. Et ainsi que sa sagesse et sa puissance infinie. Problème malio. Le problème du mal dans les psaumes, c'est avant tout un problème théologique. Ça dit que lié à grand conflit, li concernait inévitablement les questions relatives à Dieu, ainsi que la destruction de Jérusalem et du temple, qui que en pile monde comprend comme un scandale. Ça dit que le temple a été détruit, les que et l'empereur Titus est rentré. Détruit le temple de Jérusalem, eh bien, Mounio, tout le monde te dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le temple de Dieu fait détruit? Comment le temple de Dieu, côté que tu as offert sacrifice, côté que tu as gagné un service perpétuel, comment le fait détruit? Mais pas oublier que Jésus, lui-même, lui te dit, pas prêter pierre sur pierre qui part renversée. C'est dit, Jésus, lui-même, te prédit que le temple ça va détruit. Eh bien, nous te rendons compte ces mauvaises conduites de Juifio, mauvaises conduites de moun qui t'a professé le nom de Dieu, mais qui t'a fait méchanceté, qui t'a content, qui t'a cause que ça t'est arrivé. Eh bien, chers frères et sœurs, et souvent, il y a des choses qui arrivent, nous ne comprenons pas, mais toujours qu'on raison, qui fait que arriver. Le temple est arrivé détruit. Eh bien, il était constitué une occasion de blasphème. Parce que, païen, il dit, ah, comment fait bon Dieu ça, que adorer, à qu'on fait romain, ou capable de rentrer, détruire tant ça? Eh bien, c'était une occasion, côté que, païen, il t'a blasphémé. Côté que, païen, il t'a dit toutes sortes de mauvaises paroles.
dis-nous, l'héritage de Dieu, le peuple d'Israël, est le signe de son élection divine et de son alliance. Et il dis-nous qu'ils ne failliront jamais. Chers frères et sœurs, ce temple était détruit. Le temple était détruit. Mais et le peuple de Dieu pas jamais détruit. Le temple ça été détruit parce que avec la mort de Jésus et pas de nécessité pour gagner un temple côté que mon a pas professé le nom de Dieu pour offrir sacrifice encore. C'est dit que puisque Jésus est venu mourir, il a fallu Dieu lui-même encore permettre que le temple détruit pour mon ne pas continuer offrir sacrifice à donne pour y a dit et ses conseils à une expiation de péché parce que Jésus déjà venu. Et nous jusqu'à présent les Juifs y a attendent le troisième temple, y a attendent yon Messie et y a attendent que temple reconstruit. Mais nous que pas un temple qu'a reconstruit, pas un Messie qu'a venir encore. Et dans le son, il dit nous que et temple est détruit, mais le peuple de Dieu n'est pas jamais détruit. Et je ne dis à nous-mêmes nous constituer le peuple de Dieu. Son façon pour montrer que et tout ça que vous gagnez capable détruit, mais ou même ou pas jamais détruit, parce que avant tout ou même ou c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Tout ça, Job t'a gagné, t'a détruit. Mais Job pas détruit parce que Job t'a été fidèle. Je dis nous, puisque un jour toutes les nations deviendront l'héritage de Dieu et le serviront. L'idée que les nations ont envahi l'héritage de Dieu est une menace pour ses promesses divines. Eh bien, un jour qui va arriver, eh bien, toute nation, tout monde qui acceptait et marchait avec bon Dieu, eh bien, il a fait partie de l'héritage, bon Dieu. Je dis nous sans aucun doute, le psalmiste, et je dis que sans aucun doute, le psalmiste, il reconnaît les péchés du peuple. Et il reconnaît que le péché que le peuple a, il te commet, il te corrompt par l'alliance que mon Dieu t'a fait ensemble avec lui. Et que ça t'a entraîné toutes conséquences sur le peuple. Eh bien, survie, peuple, il dépend uniquement de l'intervention gracieuse de Dieu et du rétablissement de la relation d'alliance par l'expiation du péché. Chers frères et sœurs, le peuple Israël a maintes fois il craché sur l'alliance là. A maintes fois il désobéit, a maintes fois il passe en papier tout ça que il était promet bon Dieu, mais nous voit que bon Dieu toujours cherché là, bon Dieu toujours cherche une façon pour lui renouer une alliance ensemble avec lui. Et mais c'est de même pour nous journée aujourd'hui, à maintes fois nous désobéissons, à maintes fois nous fait ça nous pas doué faire, à maintes fois nous piler en bas pied alliance que tu fait avec Dieu par le baptême. Mais chers frères et sœurs, Dieu nous cherche, Dieu a cherché nous encore parce que il voulait que nous sauver. Je dis nous cependant, la défense du caractère de Dieu dans le monde est plus importante que la restauration d'Israël. Eh bien, c'est pas une question de reconstruire un temple. C'est pas question que un temple reconstruit. Ça plus important, c'est la défense du caractère de Dieu. Qui gens nous capables de défendre le caractère de Dieu à travers comportement nous? Est-ce que nous reflétons que nous sommes chrétiens? Est-ce que côté nous marcher, côté nous travailler? Est-ce que nous agissons de manière différente pour montrer que nous-mêmes nous sommes chrétiens? Est-ce que nous défendons le caractère de Dieu à travers nos capables de comportement nous? Et dis-nous, si la mauvaise action des nations reste impunie, cela paraîtra comme si Dieu avait perdu sa puissance. Des fois, nous voyons que les nations infidèles, nous pas même besoin de parler de nations, mon cas fait mal. Eh bien, nous voyons que des fois, action ça aurait été impunie. Mais nous, ouais, c'est comme si bon Dieu t'a perdu puissance lui. Mais c'est pas vrai. Je dis nous, ce n'est que lorsque Dieu sauvera son peuple et que son nom sera justifié et élevé. Et nous, ouais, que toute bagarre va rétablir. Eh bien, nous, ouais, que, je dis nous, texte dit, si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. Si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. C'est dit que, même si on a fait méchanceté,
bon jour côté que bon Dieu réservé pour que tout mal fini, tout mal a péri dans les temps de feu. Eh bien, dis-nous, ce n'est que lorsque Dieu sauvera son peuple que son nom sera justifié et élevé. Tout comme aujourd'hui, le même principe existait à l'époque. Nos péchés, nos retards, nos maux peuvent jeter du discrédit non seulement sur nous-mêmes, mais encore sur le Dieu dont nous professons. Chers frères et sœurs, nous redis encore. Mon nous yo, péché nous yo, mauvais comportement nous yo, capable jeter discrédit sur nous et sur bon Dieu. Chers frères et sœurs, les nous font bagay qui mal, yo pas dit nous fait le non, yo dit adventiste yo fait le. Adventiste sa yo, mais qui genre de moun yo, mais qui mauvais bagay a fait. Ça veut dire, frère Maxime yo, pas oublier que, et la cause de Dieu, le caractère de Dieu, est plus grand que vous-même. Si vous-même, vous avez mal agi, ou pas honte, au moins, vous avez de honte pour le caractère de Dieu. Parce que, vous avez fait ça qui mal, ou pour ton mauvais témoignage, mais témoignage, ça a affecté la prédication de l'évangile. Frère Maxime, fais attention. Frère Maxime, pas fait même ça avec les Israélites. Frère Maxime, connaît que son sacerdoce royal, ou c'est une nation sainte, et que, ou bon gens, pour comporter. Je dis, nos mauvaises actions peuvent également avoir des effets spirituels néfastes sur notre témoignage. Oui, mauvaises actions nous capables d'avoir des effets spirituels néfastes sur témoignage noir. Oui, émission noir. Parce que si nous prêchons l'évangile, il a dit, oh oh, et pas frère ça, qui a vu une bonne faire ça, et pas limité dans le club là hier soir. Eh bien, tout ça affaiblit la prédication de l'évangile. Je dis, combien de personnes ont-elles été détournées de la foi à cause des actions de ceux qui professent le nom de Christ? En pile, monde a détourné de la foi à cause de monde qui dit que c'est chrétien, mais qui a mal conduit. Souvent, il y a monde qui dit comme ça, moi, quand j'ai j'en voulais comme pour moi, et baba moun ne glan pour moi, m'ap viv pour moun. Alors que yo pote le nom de chrétien, alors que la baye sainte sène, premier moun qui présent dans l'enlèvement des pieds, c'est yo. Alors que de yo wa, dit, j'aime moi un tel là, tande un tel c'est adventiste. Est-ce que c'est vrai, frère Maxime yo? Jusqu'il est, wap continue ba yon mauvais témoignage sur le caractère de Dieu. Jusqu'il est ou pas continuer ba un faux témoignage sur ton Dieu. Bon Dieu, ça qui délivre ou qui sauve ou amène de foi. Ou même qui baptise, rebaptise. Ou même qui amène de foi, aller, retourner. Mais qu'il est ou décidé, mener en vie qui conforme à la volonté de Dieu. Tout ça qui sur cette terre y a passé, les moments de plaisir. Yo a passé, yo pas dur en pile, 5 minutes, 1 heure de temps. Et par contre, après ça, ou senti ou vide, ou senti ou même genre encore, ou besoin plaisir encore. Le plaisir est passager, mais lorsqu'on vit de mission, ou chercher des plaisirs sains de la présence de Dieu, eh bien, ou pas jamais senti ou vide, ou toujours senti ou rempli. Je dis pour finir, l'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Chers frères et sœurs, pour mettre bon Dieu en honneur, pour mettre le Christ en honneur, il faut qu'on atteigne la perfection divine. Il faut qu'on capable atteindre la perfection divine, viser la perfection divine. Sous besoin de réaliser un projet, il faut qu'on ait un plan. Si vous voulez atteindre la perfection divine, il faut qu'on ait un plan. Il y a un plan qui dit que, eh bien, moi identifier les problèmes que me gagne dans la vie, moi identifier tout ça qui pas conforme à la volonté de Dieu. Bal essayer regarder qui ça me capable faire pour me changer. Un monde qui pas essayer, il pas jamais réussi. Un monde qui pas fait plan, il pas jamais réussi. Souvent nous a fait plan de caille que nous t'aimer gagner, que machine nous t'aimer acheter, de famille nous t'aimer construire. Mais est-ce que nous fait plan pour vie spirituelle? Non, pour nous dit moi t'es dans point A, t'aimer arriver dans point B. Eh bien, je dis, comment comprenez-vous cette vérité importante et ce qu'elle devrait signifier dans votre vie chrétienne? Vérité, ça est important, il doit faire sens dans la vie. Sens, il doit faire, c'est que vous devez battre pour atteindre la perfection divine. Chers frères et sœurs,
ballon dans pied, est-ce que ou continuer agir même façon déjà gagnons mois qui presque fini dans l'année 2024 dans 11 mois qui rete yo qui j'en voulez vivre est-ce que vous voulez continuer sous même lancée ou bien est-ce que vous voulez bailler vivre entièrement à l'Éternel parce que c'est dommage que en pile monde qui en dans l'église pour que bailler vivre totalement à l'Éternel le baptiser pour que bailler vivre totalement à l'Éternel bien chers frères et sœurs rentrer dans même répondre question ça et bien comme ça avec la volonté pour bon Dieu promet tout ça penser qui est possible pour changer ou après il changer et bien c'est comme ça nous présenter le son matin nous inviter au cap baisser tête pour capable Éternel Dieu roi des rois Seigneur des seigneurs papa nous reconnaître que nous pas sincères nous a professé ton nom mais en même temps Seigneur Dieu nos actions c'est le contraire nos actions contraires à ce que bouche nous a parlé Seigneur. Mais en ce matin, nous voulons prendre une décision, nous voulons faire une nouvelle alliance avec eux pour nous dire non, nous pas agir comme ça encore. Non, nous pas passer en bas pied le caractère de Dieu. Non, nous pas passer en bas pied les principes, les lois de Dieu parce que nous-mêmes nous racheter à un grand prix, eh bien nous pas supposé marcher n'importe qui gens. Seigneur Dieu, nous reconnaît tort nous. Aidez-nous Seigneur Dieu pour nous capable remporter de petites victoires. Comme ça, Seigneur Dieu, nous allons atteindre la perfection divine. Avec nous, bénis chaque frère et soeur. Nous ne pouvons pas dire, mais si nous prions, c'est notre petit Jésus qui vit en siècle des siècles. Amen. Merci encore une fois, chers frères et soeurs. Nous sommes contents avec vous. Nous demandons pour toujours partager le son de manière à ce que l'autre monde soit capable de toucher le message. Ça, pas hésiter, voyez-le avec un monde qui n'est pas converti. Un monde peut-être qui n'a l'autre dénomination parce que leur voyez le son, bayon, zami. Eh bien, c'est prêcher. Peut-être, aucun doit voir le monde n'a pas ouvrir, mais il sert vous de témoignage parce que vous voyez le son balayé. Eh bien, vous faites un acte d'évangélisation. Nous sommes contents avec vous. C'était fort, Ismaël chéri. Que mon Dieu bénisse.